Ça fait 4 ou 5 ans que je fais des cours, ouais. Je fais des cours de piano aussi en parallèle parce que à la base je suis pianiste classique, j'ai appris à lire des partitions et à faire du piano toute seule. J'ai fait des ateliers parce que justement je voulais jouer en groupe et je voulais sortir du classique et des partitions et m'amuser, improviser. Je pense pas, non. Je pense pas parce que, encore une fois, j'ai une formation classique et enfin, pour moi c'est un nouvel instrument en fait, le piano avec des grilles. Oui, parce que le piano, dans l'atelier par exemple, il y a certains morceaux où là ce soir on va en faire un sans batterie parce qu'il va chanter. Et donc le piano doit jouer différemment à ce moment-là parce que c'est le piano qui va porter un petit peu plus la rythmique. Quand on commence un morceau, déjà on repère sa structure. Et puis on définit qui va faire quoi, quelles parties seront prises par le solo des cuivres, le solo du piano, etc. Et puis après, c'est des répétitions pour qu'on soit ensemble, pour que ça tourne, pour que ça swing. Déjà jouer le même morceau, jouer la même grille et puis jouer chacun sa partie, par exemple justement en fonction de l'arrangement qu'on a choisi, c'est jouer moi la rythmique et puis l'accompagnement parce que dans notre atelier il n'y a pas de guitare, c'est pas refaire la basse parce que dans notre atelier il y a une basse, c'est laisser la place pendant les solos au cuivre, prendre la place plus de place quand c'est mon tour, enfin voilà c'est tout ça et puis écouter les autres, faire des réponses quand il y a besoin. Aussi le jouer avec la même intention, ça Fred nous l'a déjà reproché, c'est que des fois moi je l'interprète d'une façon et le bassiste d'une autre et en fait ça marche pas. Quand j'ai commencé les ateliers, peut-être que j'aurais aimé faire un atelier où on prend une grille et on essaye de la jouer de telle manière. Je sais pas, faire une espèce de découverte. Ensuite, allez.